Et le grand titre de l'actualité lilloise en cette matinée, c'est évidemment la victoire du LOSC hier soir face à Copenhague 2-0. Et du coup, la qualification du club nordiste pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Les Dogs ont dû s'arracher jusqu'à la prolongation hier soir pour venir à bout des Danois. Mais l'essentiel est acquis. Le LOSC va pouvoir poursuivre sa progression sur la scène européenne et traîner son grand stade face aux meilleures équipes du continent dans la plus prestigieuse des compétitions. Hier soir, les deux buts lillois ont été inscrits par Lucas Digne juste avant la mi-temps et Tulio Demelo lors des prolongations. Il fallait tout simplement leur porter par deux buts d'écart hier soir pour se qualifier. C'est ce que les Dogs ont fait pour le plus grand bonheur de leurs supporters, entraîneurs et dirigeants. Écoutez la satisfaction de l'entraîneur lillois hier au micro de Tanguy Lécluse, Rudy Garcia, en conférence de presse après le match. C'est quand même assez merveilleux de pouvoir faire la Ligue des Champions 2 années de suite, parce que contrairement à ce qui est dit, on n'est pas forcément programmé pour ça et on n'a pas forcément les armes pour se qualifier pour ça. Voilà. J'en dirai pas plus, parce que ce soir, ce qu'il faut, c'est savourer et féliciter les joueurs parce qu'ils ont été grands et dans tous les domaines, y compris dans les dernières minutes sur la solidarité, l'abnégation qu'ils ont mis pour tenir ce résultat. Donc, je suis vraiment content pour eux. Ouais.